Hey yo, les musclores, j'espère que vous allez bien, mesdames, messieurs. Je vous présente aujourd'hui le paladin aggro de Hunter Race, une nouvelle version. J'ai été en train d'essayer pas mal de versions ces derniers jours de paladin aggro. J'ai retrouvé un certain plaisir de jeu, hein. Il n'y a pas que les decks contrôle qui sont agréables à jouer à l'heure actuelle. Il y a quelques versions d'aggro qui sont sympas. Et ces versions de paladin sont de plus en plus, contrairement aux extensions précédentes où c'était extrêmement agressif, il y en a de plus en plus qui vont sur du mid-range. Je vous en présenterai probablement d'autres. Notamment celle de Zalae qui est très intéressante et qui est beaucoup plus axée mid-range, finalement avec voilà Ziliax, etc. etc. Là, on est sur une version très agressive. Je voulais d'abord, avant de présenter les autres, vous présenter la version qui est extrêmement agressive, extrêmement puissante, telle qu'on connaît finalement hein, le paladin. Donc voilà, la version de Hunter Race, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur à l'heure actuelle, un très très bon joueur, hein, on ne le présente plus. Qu'est-ce que je peux vous présenter dans la decklist qui est assez spéciale? Il joue un seul Transshiyan, il a rentré une faveur divine quand même, un déchireur du vide, et puis après Baku, voilà, parce que c'est un pair. On joue qu'un seul Flametime, il y a beaucoup de versions qui en jouent deux, mais bon. Pas si nécessaire que ça. Deux défenseurs but pierre, parce qu'évidemment, au paladin, défenseur but pierre c'est excessivement fort. Et puis, bah sinon, voilà, assez classique. On va aller faire quelques puits de game avec en ladder, mesdames et messieurs. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais globalement, c'est un deck extrêmement performant et c'est un deck qui peut vous aider à passer légende. Et c'est vrai que dans ma vidéo où je présentais les 10 meilleures decklists, cette decklist-là était le 5 meilleures decklists de la méta à l'heure actuelle. Cette decklist-là. Bah j'ai pas pu vous la montrer. Je ne voulais pas montrer, j'avais juste pas craft parce qu'à ce moment-là j'avais pas, enfin je l'avais pas dans ma collection parce que j'avais pas envie de la jouer. Mais là à l'heure actuelle j'ai un petit peu je me suis dit voilà paladin, c'est vrai que je joue vraiment tout le temps que des decks contrôle, est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir de temps en temps, vous voyez ce que je veux dire? Ok. On joue contre un mage, c'est intéressant. Je sais pas si j'ai envie de garder ça, j'ai peur si je garde ça, j'ai pas de taurin, mais d'un autre côté on a vraiment beaucoup de taurin dans le deck, donc on va le garder. Et puis comme ça on pourra le jouer assez tôt. C'est mieux de l'avoir tôt, hein, cette carte-là, évidemment. Oh, ok. Ok, sympa ça. Sympa, sympa. Mage, si c'est un mage contrôle, c'est très complexe, mais on peut peut-être lui mettre une grosse pression très rapidement. On va voir, on va essayer en tout cas. Mais si c'est un mage aggro, si c'est un mage contrôle, c'est évidemment extrêmement dur parce qu'il a quasiment que des AoE dans son deck en plus des hospices et des pings. Donc c'est pas évident. Mage de manière générale, on n'aime pas trop. Parce que bah, c'est une classe qui est faite pour gérer le board. Après, le mage token, ça va. Le mage token, il est pas trop. Le mage élémentaire, pardon, il est pas trop dur à battre pour nous. Mais le mage contrôle il est difficile et le mage tempo il est difficile parce qu'il a beaucoup de cartes qui tapent un partout. Enfin, tu sais, qui. Des arcanes missiles, etc. etc. Ok, donc c'est ça. Ah oui, on part sur un départ Caliente. On fait ça et ça, je pense. Je pense que je double trade là, juste parce que j'ai trop peur qu'il ait un truc qui tape un partout, tu vois. Et c'est vraiment trop fort les trucs qui tapent un partout. Putain, double Worm de mana en main de départ, c'est incroyable ça. Ouais, bah putain, la vache. What the fuck? Dans ma tête, allez, stop les gens, vraiment besoin. Ok. Champion va. Ah, champion. On fait ça et ça, je pense, juste sur ce tour. En vrai, je peux juste buffer un token. Non, je vais buffer lui, en vrai, c'est bien. Et je tape quand même lui? Ouais, je tape quand même lui. On sait jamais s'il a un autre truc qui tape un partout. Là, le truc à 3 qui tape 5 trucs. C'est quand même beaucoup. Il y a moyen qu'il clean le board. Espérons qu'il ait pas tout, évidemment. Mais vu son départ, je préfère jouer au pire, autour des pires scénarios possibles. Ça me paraît plus cohérent. Oh, sexy boy. Putain, c'est chiant, il vide sa main tellement vite. C'est pas possible ça. Ça suffit maintenant. Dis donc. Dis donc. On fait ça. Ok. On pioche juste 2, mais c'est mieux que 0. De toute façon, on en a besoin là à l'heure actuelle. Et on va aller gérer ça. Ok. Wouh! Putain la vache, j'ai rarement vu des départs de mage aussi puissants. Ok, bon, bah, je vais essayer de m'en sortir avec ça, mais avec ce que j'ai, mais je ne vous promets rien, mesdames et messieurs. Là, ça va être très très sportif cette partie. Après, j'ai le Transhiyan, c'est plutôt une bonne carte, mais on va voir. Ok, qu'est-ce qu'il a touché? On se le demande, on se le demande. Je garde le board control ici, c'est plutôt cool.
Et lui, il va devoir peut-être claquer des cartes dans ça. Après, j'ai peur qu'il ait en plus, vous savez, à lunettes ou quoi. Mais s'il joue à lunettes, il va prendre une grosse rafale parce que. Faut que je l'agace. Après, j'ai peur qu'il ait un contre-sort aussi. Mais bon, on peut pas jouer autour de tout. Malheureusement. Bien que ça aurait été bien. Ça aurait été sympa. Oh, wow. Donne-moi les tokens ou le bouclier divin. Ah, j'ai le pire. Mais non, voyons. En vrai, c'est pas grave, ça mettra un petit peu de pression. Et au prochain tour, ce sera le Tranchian dans sa grosse tête. Là, au prochain tour, il va falloir que j'avance un petit peu sur les dégâts parce que ils vont pas se faire tout seul, hein, sinon. Après, là, s'il a à lunettes, je pense pas qu'il l'équipe. Oh, waouh, putain, c'était le meilleur truc, ça. Dans ma tête, encore. Oh, c'était cool dans ma tête, j'aimais bien. Franchement, j'aimais bien, je passais un moment cool. Qu'est-ce que j'ai cette fois-ci? Ah, bouclier divin, ça aurait été bien tout à l'heure pour le coup. Là, vous avez vu, celle que j'avais eue n'a servi absolument à rien, malheureusement. Ok. Donc on sait pas encore ce que c'est comme secret, on le découvrira un peu plus tard. Et après là je vais pouvoir beaucoup flouder les tokens quand même, donc c'est plutôt sympa. Là on est vraiment sur un retournement de game, on commence à être un petit peu dominant je pense. On peut pas encore le savoir tout à fait mais... Ça dépend parce qu'en fait ça dépend de ce qu'il a dans la main encore. Mais on le saura bien assez vite. J'aimais la musique d'Hearthstone, pendant longtemps je mettais de la musique en plus, mais maintenant maintenant la musique d'Hearthstone la passe vachement bien, je dors. Ça faisait longtemps que je l'écoutais plus, quand vous l'écoutez pas pendant longtemps et que vous mettez une petite musique. Après, les vidéos sans musique c'est sympa parce que du coup vous pouvez vous mettre une petite musique de fond ou quoi, et passer un agréable moment. Non pas que je ne sache pas moi-même chanter, mais si je chante, le problème c'est que il arrive que je chante tellement bien que YouTube considère que c'est le vrai artiste et que du coup il strike ma vidéo et du coup bon voilà c'est compliqué pour la chaîne. Alors là le mec il s'est juste cassé comme ça en plein game, il s'est dit ok ça m'a saoulé. Ah non il s'est pas cassé, ah non il s'est pas cassé, non non, non non il... Ok il est juste allé se faire à manger vite fait. Pas de soucis. Je vais jouer à ça parce que j'ai envie d'avoir le maximum de trucs sur moi. Juste le maximum de dégâts et ça c'est... Certes je perds un dégât là mais j'en gagne un là. C'est chiant qu'il m'a pas laissé taper avec Tranchian. Mais il faudrait que je top deck... ça s'appelle level up. Après là, bon bah... Il essaie d'aller face parce qu'il se dit qu'il a pas d'autre option. Mais allez sérieux, repas, c'est vraiment désagréable là, j'aurais pas le temps de faire de game. Oh non, sois pas comme ça, sérieux, jouer un deck aggro, j'aurais dû avoir le temps de faire 4 games. Mais bon, comme vous voyez un petit peu l'idée du deck, là c'est vraiment l'archétype de base, c'est le squelette de base du deck, c'est la version d'Hunter Race. Il a fait top 1 légende avec, probablement la plus performante à l'heure actuelle sur le ladder, Europe en tout cas. Voilà, il n'y a pas besoin de... Elle n'a plus rien à prouver, j'ai envie de dire, cette déguise. Mais non, mais t'es sérieux là? C'est pas bientôt fini? Je suis obligé de le tuer, évidemment. Façon, je le joue. En vrai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si je fais ça, j'ai 3, 4... Ouais, mais il va sûrement en ping 1. Après, j'ai Leroy dans la decklist. Et j'ai Frangimancien aussi. Ce serait bien de top decker des bons trucs, d'ailleurs. Je veux pas être le mec qui mande, mais... Ça peut être cool. T'as imaginé top deck genre. Il peut pas top deck et puis remplacer la 9 mana, mais. Oh, c'est violent! What the fuck? Ok. J'ai peur. J'ai peur, les gars. Fais pas des boules de feu et trucs genre. Oh, wow, ok. Ce serait bien que je top deck Leroy ou Fongi là. Je peux vraiment avoir l'étal facilement. Ou même plus 3 d'attaque. Putain, sérieux. S'il me tue là, je suis dégoûté de ouf. Hein. J'ai vraiment trop mal pioché. What the fuck, ok. C'était lui la top decké Arcane Intellect plus à lunettes tour 9. Sors ma vide. Non, je suis tellement malheureux. Non, ouais, jamais il a l'étal. Non, mais non. Mais non. Ping. Ah, il a déjà joué double éclair de givre. Il me semble. Après, il peut avoir le truc qui tape. Ok, il se ping lui-même. Très belle game. Très belle game. C'était serré. Il m'a fait vraiment une vraie frayeur. C'est pas un match-up très facile,
Parce que bah il y a, vous savez, toutes les cartes qui tapent un partout. Mais en réalité, quand ils font pas des départs de ouf comme ça, double wyrm de mana, etc., assez souvent on pouvait prendre le board sur eux. Après, moi j'ai pas fait un départ dégueulasse, hein. J'avais deux perdus dans la jungle. C'est 1000 fois moins fort que wyrm de mana, mais c'est quand même un bon départ. Tu peux faire un départ avec Baku, Leeroy, Frangimancien, tu vois. Donc on n'était pas à plaindre. Si on avait fait un mauvais départ, il nous aurait pu pulvérisé. Je pense départ moyen contre départ moyen, c'est quand même notre deck qui gagne. Bon, mais le mauvais départ contre bon départ est vite arrivé, quoi. On va dire. Oh, voleur. Voleur, c'est tricky parce qu'il y a quand même vachement beaucoup de voleurs différents. Donc il faut réussir à vite savoir ce que c'est, quoi. Je sais pas si j'ai envie de garder ça. En vrai, contre voleur, miracle, c'est pas ouf. Contre odd, c'est pas ouf parce qu'il tape dedans. Contre miracle, c'est pas ouf parce qu'il a backstab, agent du SC7 et tout. Et contre odd, bah il tape juste dedans avec son pouvoir héroïque. Donc ces deux-là sont cool, mais pas l'autre. J'attendais son animation de Baku, mais a priori non. C'est un quête, ok. Bon. Est-ce qu'on devrait être inquiet? Je pense que oui, vite fait, mais pas trop. Ça va, on a connu pire. En vrai, je le joue de ouf. En fait, je me dis que souvent il a rien d'autre à jouer que Dag, donc ça vaut pas tant le coup que ça. Mais en réalité, juste au prochain tour, j'ai envie de faire ça et ensuite ça et avancer tranquillement. J'ai pas envie de faire ça trop vite. Pas nécessairement, pas contre lui. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Là, ça va l'embêter en vrai. Hein. Il joue pas forcément d'éventail. Non, mais il joue pas d'éventail. En vrai, est-ce que ça et ça, c'est pas plus fort juste? Je pense que si, hein. Et au prochain tour, je ferai juste maillet. Là, si je fais maillet, est-ce que j'ai envie de taper face? Éventuellement, mais c'est pas sûr à 100%. Vu que, ben, peut-être il va jouer des petits trucs, tu vois, genre les 3-2, les pandas, etc. J'aurais envie de les trade. Intéressant, ça. Ok, longeard 2, c'est pas grave, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, le level up, je suis pas sûr d'en avoir besoin très vite. Petite enchaîne. J'ai eu de la chance par contre, là j'ai eu les deux 1-1, c'est les meilleurs à avoir en général. La plupart du temps c'est les meilleurs, après de temps en temps quand ça arrive plus tard en fin de partie, le meilleur c'est bouclier divin. Ou de temps en temps le plus sain d'attaque pour mettre un gros coup de pression. Évidemment le taunt étant le pire, la plupart du temps parce que c'est assez rare que vous butez. Heureusement que j'avais le taunt. C'est quand même. On n'entend pas souvent effectivement les gens dire ça, hein. On peut en parler. C'est comment? C'est comme ça, comme ça. Je sais que j'ai level up dans la main, mais. Ça m'embête beaucoup cette merde. Je le jouerai après tranché, hein, de toute façon. Il a disparition, donc faut que je fasse gaffe, mais. En fait, là, il va souvent remonter ça quand même. Fais pas remonter sur lui. Sois pas ce genre de voleur quête. Sois pas le genre de voleur quête qui joue la quête sur la 2-1. Après là, si Shadow Step, ça coûte quoi à 3? Fais pas Shadow Step, mec. Ah, c'est Zola, ok. Est-ce que je peux lui mettre une méga grosse pression sur ce tour? 5, 6, 7, 8. Oh no. No. Ok. Il l'a fait sur quoi ça déjà? Il l'a fait sur la 2-1, yes. Ok. Je pense que ça va face. Au prochain tour, je vais équiper Tranchian face, hein, on est d'accord. Donc je pense que je tue ça, juste au cas où. En fait, il le remonte ou quoi. J'ai pas envie qu'il puisse me geler tout le temps la tête. Parce que ça peut vite dégénérer cette 2-1 là. Si à tous les tours là, il fait genre vanish et il gèle la tête, bah adieu le Tranchian, quoi. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Et oui, et oui! On les anticipe, ces plays bizarres. Un petit peu tard, lui. Ok. Donc là, il va avoir des 1-2 taunt là, mais c'est pas grave parce que j'aurai pas mal de 1-1 moi aussi. Par contre, il y a moyen qu'il ait un anti-arme. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo sur le voleur père là.
qui pourrait pas mal vous intéresser, vous verrez. Je vous en dis pas plus. Terrible. Ouais, des bugs, ok. On va prendre ça, j'ai pas envie de prendre d'autres. Ça revient même hein, de jouer ça ou de faire ça, hein, finalement. Bon, la faveur divine va pas être très utile ici à cause de son vanish. Par contre, ça c'est un enfer. Hein. Ça c'est quand ils jouent avec ça, quand ils abusent de ça, c'est un peu difficile. Hein. Je vous avoue que c'est pas forcément un si grand plaisir quoi. Après, le létal est très très vite arrivé. Hein. Il faut qu'il fasse gaffe. Hein. Un fongime ancien, un autre level up, tu vois, genre, ça peut aller très très vite. Ça peut, on peut toucher un létal à toute vitesse sans qu'il s'y attende. Leroy, je sais pas trop. Les leaders, c'est comment ça s'appelle, les 2-2 là pour 3 qui donnent plus 1 d'attaque à tout. Enfin, il y a des cartes qui peuvent mettre un gros coup de pression. Après, peut-être j'aurais dû prendre la deuxième comme ça pour essayer d'aller chercher Tarim, mais bon. Tarim est pas très fort contre lui. Il a claqué un de ses Vanish. Vanish, c'est sa condition de victoire. Il a eu un, espérons qu'il n'ait pas le deuxième. Parce que s'il n'a pas le deuxième, il va galérer quand même. Parce que je devrais normalement réussir à le l'avoir. Ok, il a 3 taux. Est-ce qu'il y a un truc à faire là? Il y a moyen que j'ai un truc à faire, attends. Trade. Non. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'il trade là? Trade lui ou lui? Ça revient même, je crois. C'est ça. Hop là. Et ça passe. Hop là. Yes. Je me disais si on avait que 3 ça allait. Ouais. Oh, ouais. Je pense que si je le gagnais pas sur ce tour là, en réalité il y avait moyen que je la perde. Hein, parce que s'il transformait tout en 4-4 au prochain tour avec des préparations, etc., ça pouvait être compliqué. Bon, en tout cas vous avez vu un petit peu la décliste sur quoi a conçu. Je pense pas que ça vaille le coup quand on la joue non plus énormément. Parce que à mon avis c'est assez intuitif et assez... et assez logique. C'est une église qui peut vous apprendre à jouer. En réalité, les games sont assez rapides. Vous voyez quand même, vous êtes très rapidement puni par vos erreurs dans cette église là. C'est à dire que très vite, vous allez vous sentir pataugé. Vous êtes en train de patauger. Vous allez vous dire, là par contre, c'est là qu'il va s'agir de savoir se remettre en question. Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour me retrouver là, tu vois. De temps en temps, vous avez rien fait de mal. C'est juste votre adversaire qui a eu des trucs de malade et, ou alors que c'est un gros counter. Mais si vous faites une erreur, vous allez vous en rendre compte et ça va vous permettre de progresser. Donc c'est une déclise pas forcément que je recommande parce que voilà, elle est connue et puis bah c'est des déclises agressives. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut voir le plus les gens jouer. Mais si vous débutez et que vous avez pas beaucoup de cartes, elle peut être intéressante pour vous. Baku est obligatoire évidemment. Leroy n'est pas obligatoire mais il est très fort. Si vraiment vous l'avez pas, c'est pas grave. Hein, jouez la 100, mais vraiment très peu cher, extrêmement puissante. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez 2 petites secondes de plus, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un pouce bleu ou même à vous abonner. Merci énormément à tous ceux qui le font déjà. Et puis moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous salue les potes.